L'opération Népervier est-elle aux trousses d'Edgar Allan Mébégot, ainsi que son épouse et plusieurs de ses anciens collaborateurs? Dans un message qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, l'on apprend que l'ancien ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est interdit de quitter le territoire national depuis le 31 janvier dernier. Cette note rédigée par le nouveau chef de division des enquêtes du corps spécialisé d'officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial, vise également Bernadette Mébégot, l'épouse de l'ancien ministre. Le colonel Guilain Victor Mboutou, elle et le nommé Maxime Léonard Mbangson, eux aussi interdits de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction entre dans le cadre de l'exécution des instructions du procureur général auprès du tribunal criminel spécial relative à la situation de la société Magéforce au Cameroun. Magéforce est une société spécialisée dans l'équipement militaire à l'instar des uniformes, des rangers, des menottes, etc. L'ancien ministre délégué à la présidence chargé de la Défense ainsi que ses proches collaborateurs seraient la cible de soupçons de corruption dans le cadre de certaines procédures liées à l'achat des équipements militaires. Âgé de 62 ans, Edgar Allan Mébégot est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du pays. Il a occupé le poste de ministre de la Défense de 2009 à 2015. Le 15 octobre 2015, il est nommé ministre des Transports jusqu'au 2 mars 2018, date à laquelle il est débarqué du gouvernement par un décret du président de la République. Administrateur civil principal, Edgar Allan Mébégot a été préfet notamment dans le département de l'Océan Région du Sud. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République a également occupé les fonctions de délégué général à la Sûreté nationale. Alors patron de la police camerounaise, cet homme politique originaire de la région du Sud a joué un grand rôle en 2008 dans le cadre de l'interpellation de certains au cadre de l'administration à l'instar de Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence de la République, l'ancien ministre de la Santé publique, Urbain Olangena Ewono et Polycarpe Abba Abba, l'ancien ministre des Finances. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.